Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau troll érudit dédié à Prince Dragon. Alors de quoi ça parle Donc Rohan est un jeune prince du désert. Et en fait, il prend la succession de son père au moment de sa mort, forcément. Et ben, en tant que seigneur du désert, il va devoir entre autres affronter le Haut-Prince, un autre seigneur, afin d'imposer sa volonté pour, pour gouverner le désert. Et dans cette tâche, il sera aidé de sa jeune épouse Sioned. Qui est une Faradim, donc c'est en fait un genre de, de mage qui utilise le pouvoir de la lune et du soleil. Euh, donc Prince Dragon est une trilogie écrite par Melanie Raon, auteure euh, américaine. Euh, donc les trois tomes dans l'ordre bah, Prince Dragon, le premier s'appelle euh, comme la série, ensuite Le secret des étoiles et enfin Les tisseurs de lumière. Et euh, pour une fois, euh, je ne parle pas de Prince Dragon la trilogie, mais de Prince Dragon le, le livre. En fait, je n'ai lu que le premier tome de la trilogie. Et euh, vu que j'ai pas spécialement l'intention de lire les deux suivants, ben, je vais vous, quand même vous donner mon point de vue dessus, même si euh, du coup vous, vous devez déjà vous douter un petit peu de ce que je vais dire. Euh, en parlant de l'univers, eh ben, ça va aller vite, en fait il a quasiment rien à dire. L'univers, enfin euh, le récit se déroule dans, dans un monde qui est assez aride, hein, c'est un, 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 un désert, euh, désert de, de roches de sable, quoi. Et euh, ben, à part ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Le seul truc un peu notable, c'est les Faradim, l'ordre des Faradim, et euh, bah, les dragons, mais j'y reviendrai après. Euh, au niveau de l'histoire, bah, c'est une rivalité entre deux seigneurs euh, qui veulent euh, chacun dominer le, le désert, bon bah, c'est pas hyper original. Euh, pour être franc, l'intrigue, je m'en rappelle vraiment plus, je sais plus du tout euh, ce qui se passe, parce que ça fait un petit, un petit moment que j'ai lu le bouquin et j'avais pas envie de le relire avant de faire, le, de faire la chronique. Euh, par contre, je me rappelle très bien que j'ai pas du tout accroché et que je me suis globalement pas mal fait chier en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup d'actions de mémoire à part un peu à la fin, euh, mais voilà, c'est tout quoi. Euh, pour les personnages, bah, pareil, je les ai pas trouvé intéressants du tout. Euh, même les deux protagonistes, donc le, le héros et sa compagne, ils m'ont pas du tout emballé. J'ai pas réussi à accrocher euh, ni au personnage ni à l'histoire. Donc euh, bah forcément, ça aide pas. Euh, bah les points positifs, du coup, je vais avoir un petit peu de mal à en donner, là, comme ça. Donc, euh, ben, on va passer à la suite. Et pour les points négatifs, alors, euh, en plus du fait que... Enfin, que l'intrigue globale et les personnages sont pas terribles, il euh, y a quand même deux machins qui m'ont un peu marqué. Euh, le premier, c'est l'histoire d'amour qui pue la merde, je trouve. Euh, ouais, c'est un, un peu radical comme point de vue, mais pour vous expliquer, en fait... Pour moi c'est une histoire d'amour euh, où il n'y a pas d'histoire ni d'amour. En fait, euh, en gros, les deux personnages, ils sont amoureux avant même de se connaître. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, euh, voilà, ils se rencontrent, pouf, ils sont amoureux. Enfin non, ils y, ils y étaient même déjà avant. Donc euh, forcément, à ce niveau-là, ça, ça va très vite. Quoi. Donc en fait, il n'y a, a pas vraiment de romance. C'est juste... Euh, ah bah voilà, pouf, ils arrivent, ils sont amoureux, c'est bien, ils se marient et c'est cool. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça complètement naze. Et du, ça fait aussi partie des choses qui font que j'ai pas du tout apprécié le récit. Enfin, j'ai trouvé ça euh, complètement con. Euh, deuxième point qui m'a un peu fait chier sur le coup, c'est les dragons. Euh, parce qu'en en fait, il y en a pas. En gros, le, le bouquin s'appelle Prince-Dragon, la série s'appelle Prince-Dragon. Quand on lit le résumé, on a l'impression qu'il va y avoir des dragons, mais en fait, non, pas du tout. En tout cas, pas dans ce bouquin-là. Il y a un dragon au début qui se fait buter et c'est tout. Voilà, il a, a absolument rien à voir après avec le récit. Il Rien, n'y a que dalle. Donc euh, du coup, ça m'a pas mal déçu parce que c'était un peu pour ça aussi que j'avais pris le bouquin. On m'avait vendu des dragons, et il y en a pas. Alors euh, bref. Euh, bon, en conclusion, euh, bah, une histoire d'amour bancale, un univers un peu limité, une intrigue globale qui est vraiment pas très prenante et des personnages pas hyper intéressants. C'est un peu tout ce que j'ai retenu du livre. Donc euh, en plus de la publicité mensongère concernant les dragons, hein, justement. Alors peut-être que ça s'améliore par la suite, hein. peut-être que, que l'intrigue devient meilleure, euh, les personnages plus attachants, que les dragons ont un vrai rôle, etc. Euh, le problème, c'est que au vu du premier tome, j'ai pas du tout, du tout envie de lire les deux autres. Ça m'a vraiment pas donné envie et euh, bah, du coup, je préfère me concentrer sur d'autres séries, euh, d'autres séries que j'apprécie ou alors en découvrir des nouvelles, plutôt que plutôt que de lire deux bouquins d'une série dont le premier ne m'a pas plu du tout. Donc voilà, peut-être que mon avis est faussé par ça, mais euh, j'ai vraiment pas un bon souvenir de, de ce livre-là. Et du coup, euh, je vais avoir du mal à vous recommander la série. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao